été, bon, bah, effectivement, notre dernier rallye, malheureusement, c'était, enfin, malheureusement, on n'a pas fait un bon résultat, puisqu'on est sorti de la route de la première spéciale à la finale des rallyes de la Coupe de France, à Lunéville. Donc ça ne s'est pas très bien passé. Et aujourd'hui, ben, je prépare le rallye du Var, qui aura lieu dans 15 jours à Sainte-Maxime. Donc la dernière épreuve du championnat de France des rallyes, où là, en championnat de France, on est 7e et je suis 4e du trophée Michelin. Voilà. Qu'est-ce qu'il a spécial, ce rallye du Var ? Ah ben, le Var, il clôture toujours la saison. Il y a toujours un gros plateau. Par exemple, dans notre catégorie des R5, ils annoncent plus de 15 voitures dans la catégorie donc des voitures 4 roues motrices 1600 turbo, comme j'ai comme ma 208. Et là, il y aura environ 16 participants, donc il va y avoir du monde. Quel souvenir vous gardez de ce genre de rallye en général ? Ça vous sourit ou pas ? Bah, le Var, c'est pas vraiment bien, puisque le Var, j'ai fait des bons résultats, comme de moins bons, mais comme tous les rallyes. Le Var est souvent difficile par les conditions météo. On a beau être dans le sud de la France, on peut rencontrer des conditions hivernales, comme vous voyez le temps d'aujourd'hui avec des giboulées de neige. On monte en altitude dans le massif de l'Esterel. Et parfois, on trouve du verglas et de la neige à cette époque-là dans le sud de la France. Comme d'autres fois, et ça peut être grand beau temps avec du mistral, voilà. Mais bien souvent, c'est vrai que les conditions peuvent être difficiles au rallye du Var. Bon, quel bilan vous tirez un peu de cette saison ? Bah, la saison, j'irais un peu mitigée. La voiture, on a bien progressé dans les réglages de la voiture. Aujourd'hui, ce qui manque à la 208, c'est un petit peu de moteur. Peugeot travaille beaucoup en ce moment sur ça, et on devrait récupérer pour 2017 une moteur, enfin en tous les cas une cartographie qui donnerait un peu plus de moteur et de puissance à la voiture, ce qui nous manque un peu par rapport à la concurrence que sont les Skoda et Ford Fiesta et bientôt la Hyundai. Donc voilà, j'ai bon espoir que la voiture soit un peu plus performante en 2017. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à gagner là au Var ou tout non, est joué ? Le Var, bah oui, tout est joué. Le champion de France est connu justement, c'est Sylvain Michel avec une Skoda R5, donc même catégorie que la 208. Donc il est champion de France et sacré depuis le rallye du Mont Blanc. Donc ça, c'est joué. Pour moi, le trophée Michelin qu'on avait remporté l'an dernier, je suis que 4e et pas d'espoir de le gagner puisque de manière comptable, les premiers devant moi ont plus de points que je pourrais en marquer, même s'ils abandonnaient, donc je ne peux plus gagner ce trophée. On va essayer d'accrocher le podium en faisant de bons résultats au rallye du Var. Qu'est-ce que vous pensez des jeunes pilotes ? Là, on pense aux jeunes William Wagner, de Girmont, etc. Oui, c'est sûr qu'on a de bons pilotes vosgiens là, qui sont en train de percer, avec Quentin Gilbert, Jean-René Perry et William Wagner qui a malheureusement échoué dans le volant 208. Mais en tous les cas, il y a du talent envers ces trois jeunes. C'est sûr que moi, je leur souhaite d'avoir une belle saison 2017, qu'ils puissent les relancer. Ça va être assez compliqué pour eux, puisque bon, William, lui, n'a pas pu gagner le volant 208, ce qui lui aurait assuré d'une saison 2017 semi-officielle même. Quentin Gilbert, lui, quant à lui, était chez Citroën. Je ne sais pas quel va être son programme cette année, enfin l'année prochaine. Et puis Jean-René Perry, donc d'Épinal, qui lui cette année s'est focalisé sur le trophée, le Racing Citroën Trophy. Mais malheureusement, il n'a pas fait de bons résultats en début de saison, pas dans le bon team, voilà. Et il a un petit peu galéré lui aussi, et l'an prochain, comme pour les deux autres, ça va être assez compliqué de retrouver une formule. En tous les cas, les formules de Citroën se retirent dans le cadre des formules de promotion, et voilà, ils sont tous un petit peu dans l'expectative, je pense, à cette époque. Rien n'est sûr, c'est un milieu difficile où, s'ils veulent réussir, c'est d'amener un budget, et les sommes sont assez importantes, et ça, c'est toujours difficile pour eux. Oui, c'est ça, c'est toujours la guerre pour trouver des budgets. Voilà, c'est le nerf de la guerre. Bon, dans les choses positives, ils ont Armando Pereira, un des dirigeants de SFR Numéricable, qui les aide. Et ça, on doit saluer Armando pour ça, parce que moi, je trouve que c'est bien de pouvoir aider des jeunes Vosgiens. Et c'est ce que fait Armando à travers son entreprise. Et
Et donc ça c'est bien, ça peut être positif pour eux et pouvoir leur permettre de déclencher un programme ambitieux pour leur avenir. Bon, Jean-René Perry lui a été stoppé dans son élan hein, par un accident. Quant à Quentin Gilbert, donc sa prochaine saison, ça sera en WRC2 comme cette saison, mais il a pu goûter au WRC. Ah, oui. Ça reste le seul pilote vosgien qui ait goûté au WRC avec une belle septième place hein, au Pays de Galles. Oui, à ce niveau-là, oui, effectivement, il y a très peu de places en mondial. Le retrait de Volkswagen n'est pas une bonne nouvelle pour les jeunes pilotes, parce qu'effectivement, bah, ça remet des pilotes expérimentés sur le marché, et forcément, c'est au détriment des jeunes. Et ça coûte très cher. Donc les usines ont tendance à miser sur des valeurs sûres. Non pas que ce ne soit pas des valeurs sûres, mais comme dirait l'autre, ils n'ont pour l'instant rien prouvé. Donc c'est des investissements lourds pour une usine qui préférera choisir un pilote qui a déjà de l'expérience en WRC. Et donc ça, c'est pas une bonne nouvelle pour eux. Maintenant, c'est vrai que c'est un milieu difficile. Il y a peu de place. Il y a vraiment peu de place. C'est vrai que c'est un sport élitiste dans le sens où il y a très peu de pilotes professionnels, contrairement à d'autres disciplines sportives, où quand c'est des sports d'équipe, ben on les compte par dizaines, par centaines, mais là il y a les pilotes professionnels en France, en rallye, ils sont 4 ou 5, voilà, donc 4 ou 5 places sur l'ensemble des licenciés, ça fait... les places sont chères. Quelles sont les solutions? Alors, il faut être pilote test, pilote d'usine. Comment ben ça, c'est la porte qui permet d'y arriver, effectivement, commencer à faire des tests. C'est ce qu'a fait Quentin toute cette année, j'imagine, avec Citroën. Il a fait beaucoup de développement. Donc ça, c'est important pour lui et qu'il continue à progresser dans son pilotage, les réglages des voitures. Ça, c'est très important. Mais aussi, l'important pour eux, là, à ce niveau-là, c'est d'être capable de réunir les budgets pour monter des saisons et avoir l'appui d'un constructeur. Parce que c'est la seule solution, c'est l'an prochain, enfin en tous les cas dans l'avenir, que je peux voir pour eux, c'est d'apporter une part du budget pour pouvoir monter des programmes. Bah, si Quentin peut refaire du WRC2 l'an prochain, c'est parfait pour lui, ça. Mais effectivement, il doit apporter une partie du budget. C'est 700 000 euros par an. Oui, c'est à peu près. Hein. Oui, c'est le budget d'une saison, voilà. Donc c'est des budgets importants qui rapportés à d'autres sports, on ne peut pas en dire que ce soit... C'est important par rapport à un sport individuel, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on n'a pas la notoriété d'un sport co, qui sont aidés, bien aidés par les collectivités. Enfin, ça, c'est un petit message que je passe au passage, parce qu'on a des sportifs qui ont un niveau beaucoup plus élevé que certaines de nos équipes de sport co dans la région, mais qui n'ont pas les aides que peuvent avoir ces équipes-là par rapport à leur niveau sportif, quoi, voilà, qui n'est pas en regard à leurs compétences. Voilà. Mais voilà, c'est le politique a toujours du mal à aider les sports individuels, pensant qu'on est effectivement quand on finance une équipe, il y a tout le centre de formation derrière, il y a plein de choses et c'est socialement, c'est culturellement, c'est mieux. Il y a la question écologique aussi. Oui, alors ça, oui, oui, mais enfin, c'est aussi le sport automobile qui fait progresser la technologie dans les voitures de tous les jours et. Comme on peut le constater, il y a déjà des voitures électriques en circuit et voilà. Et ça de plus en plus. De plus en plus. Et bien sûr, ça arrivera forcément en rallye, les voitures hybrides et autres. Quant vraiment la question écologique, il a été prouvé qu'un rallye ne rejette en rien ce qui est comparable à d'autres manifestations sportives qui n'ont rien à voir avec le sport auto, mais qui engendrent des rejets de CO2 par le déplacement des spectateurs et beaucoup de choses comme ça. Et la rallye, c'est vraiment peanuts par rapport à ce genre de manifestation, à d'autres manifestations sportives qui peuvent avoir on peut avoir une vision de sport propre, mais derrière, je pense notamment, et pourtant je suis un cycliste, donc je le critique pas, c'est simplement un constat, si vous prenez le Tour de France et les émanations de CO2 sur un Tour de France, entre la caravane publicitaire, mais que ça c'est pas grand chose, mais tout le déplacement des spectateurs tout au long de cette manifestation sur plusieurs semaines, je peux vous dire qu'un rallye, même de championnat du monde, les rejets de CO2 c'est rien du tout par rapport à une manifestation comme ça. Vous viendrez le 5 juillet à Vittel quand même? Oui, bien sûr, voir les cyclistes à qui je tire mon chapeau aussi et que je suis bien évidemment.